Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forger Magie. On est sur des tentations. On va les faire en exo pourcent haut et ça va être destiné à un Nuginak R PVP ou de façon plus large pour un Eroder R. Donc on va pas s'embêter avec les dos neutres ni avec le retrait PA. Donc a priori, j'ai plutôt facile à faire. Voilà, ça, il faut juste passer le petit exo tranquille. Alors là j'ai un petit souci de force qui est à 59. On va devoir over, on n'aura pas trop d'autres options et ça peut être un peu technique, mais bon, on va voir. Donc, le petit overagi qu'on récup. Là, la rafo, c'est le point un peu technique, parce que, bon, voilà, 59, c'est moche. Ok, moins 20, ça aurait pu être pire. J'ai donc 9 à récupérer, je peux déjà mettre un d'auteur. Ok, on va mettre la petite pavie. Yes, et j'ai un d'over à enlever. Franchement, c'est ok, hein. Ça aurait pu être bien pire. Le G était déjà très haut sur tout le reste, hein, toutes les lignes qui m'intéressent. Je mets quand même, voilà, le crit en plus, je mets quand même évidemment la force, pour, ne serait-ce que pour l'initiative, les dos terre, parce que j'ai des sorts qui tapent terre. Les dos neutres, je les mets vraiment parce que je vais le jouer sur des persos qui n'ont absolument rien qui tape neutre. Hein. Sinon, j'optimiserai quand même le truc. Donc on a 47 depuis, on est à 1 depuis. D'une tenta supplémentaire. On va tester d'avoir un crit à une rune qui pèse 1 pour gagner une tenta, ce serait cool. Allez, un crit. Et non. Donc j'ai moins 2 et j'ai une tenta sagesse. Là, j'ai moins 2, donc je suis à 45. Une tenta sagesse, si ça pouvait passer en crit, non. Donc là, j'ai moins 2. 43, bon là, il n'y a plus grand chose à faire. Donc on a 7 tenta, c'est parti. J'aimerais bien au moins un 3%, ce serait cool. Ah voilà, que demander de plus? Est-ce qu'on a le PM là-dessus? On n'a pas le PM. 85 depuis, je suis un peu embêté avec la Vita. J'hésite entre la pod pour sécuriser le 349 ou tenter le double moins 6 mais qui est très difficile à avoir. Le chat me dit plutôt pod. On va commencer évidemment. Je crois qu'on va mettre le pod pour s'assurer un truc. De toute façon, ça sert à rien. Enfin, ça c'est pas que ça sert à rien, mais dans ma tête, je full tryhard pas le perf quand j'ai pas le perf sagesse. Et là, comme on est capé à 38 de sagesse, on va se contenter de ça, je pense. Donc là, j'ai plus 0,1. Là, il va falloir passer la rafo. Pas de chance, les amis. Moins 7,5. Ok, c'est bon. Moins 10. Alors, si vous voulez, mon item est déjà maxé sur le reste, donc on va avoir du mal à récupérer ça. J'ai été débile, les amis. L'erreur du joueur français. Là, en fait, il fallait que je fasse d'abord l'agilité, et comme ça, je récupérais les 6 d'over de force avec la repair. Bon, ça passe pas, mais c'était débile. J'aurais dû la garder pour la fin, là. Erreur de ma part, petit misplay. Et le crit. Donc, on a 57,6. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait une tenta sagesse qui ne passe pas et 9 tenta repair. Let's go. Sachant que j'ai eu 3% sur 7 tenta tout à l'heure, il n'y a pas de raison que j'ai pas les 3%. Bon, si vous voulez, ça commence plutôt bien. Après, je connais Dofus, hein. Voilà, j'ai mon 3%. Le 4, on va pas abuser. Je crois que. Est-ce que j'aurais pas exactement le même jet que tout à l'heure? Je sais plus. Pas de PM. 80 depuis, bon j'ai passé une ravie un peu vite, est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose? Je ne suis pas sûr. On va donc viser le 349. Moins 10, bon on a un peu de crit, c'est pas mal. On n'aura pas mieux que ça. Donc, il faudrait un truc qui pèse 3, que je récupère. Mettre une rune sagesse, c'est pas opti, ce serait du gâchis. C'est quoi ça comme rune? Inné, non. On va se mettre une païnée ou une pacha. Si je m'en sors avec mes trucs. Ok. Allez, la pacha. Ah, mais non, je suis débile, j'ai une pafo à mettre. J'ai failli faire encore une bêtise, les amis. Bon, moins 15, on n'a pas eu de moins 16, c'est déjà ça. Bah, du coup, la pafo, let's go. Moins 3. La petite rafo. Qui crit. Cool. Ça nous fait une belle tenta, ça, les amis. 67 depuis. Bon, j'ai un restant, on va rien en faire. On a 11 tentas.
L'avantage, voilà, d'avoir un item sans... Il y a trois lignes dont je me délaisse, en fait. Hein, dos neutre, prospection et retrait PA. Donc ça fait que très souvent, j'ai quasiment le jet que je veux quand le PM tombe à 3 fois rien. Donc là, ça me fait des énormes tentas. Bon, qui colle le 4%, les amis. Alors, par contre, je full lag, je sens que ça lag de ouf. Mais tranquille, tranquille. Oh, c'est pas très fair play. Hein. Pas de PM. 86 depuis. Bah dis donc, ce PM qui a été très très dur à faire tomber. Hein. J'étais en train d'halluciner avec le chat là, le nombre de runes que j'ai balancé avant qu'il tombe. J'ai tout essayé. Hein. Bon, on a le full perf sagesse, la vita. Enfin, franchement là, les valeurs m'arrangent pas du tout. J'ai eu plein de moments où j'étais stabilisé à un G parfait. Évidemment, ça tombe au pire moment. On a quand même le 40 sagesse, on va pas se plaindre. Il me faut la ravie, j'ai pas le choix. Ok, ça passe, moins 10. J'ai 27 à enlever. Je vais balancer des runes qui font plus 1 en espérant avoir du moins 6. C'est le meilleur call. Bon, on pouvait pas vraiment faire mieux que ça, sans regret. Pas faux ou rafo ? On va go à H déjà, qui passe, moins 7. On va tenter la pas faux. Voir la rafo maintenant. Oh, sérieux. Ça fait 1000 ans que j'attends pour ça. Bon bah ça sert plus à rien de compter le puits, hein. C'est fini. Bah c'est chiant en fait. Il y avait de la bonne volonté, hein, mais là, si vous voulez, le PM qui ne veut pas tomber et je me tape du moins 50 à l'overforce, donc bah pas de chance. GG à tous. Tant pis, on continue. Alors, 86 depuis. Comment vous dire que c'est un peu compliqué. Je peux pas avoir des pires lignes que ça, en fait. Donc, bah, ravi, into, tente à moins 6, mais même ça, ça va être un peu chaud. Moins 20. Allez, il me faut un moins 6. Bah, évidemment. Évidemment, quand on veut pas de crit, on a le crit. Non mais oui, je connais, hein, je connais l'histoire, vous inquiétez pas. J'ai presque envie de balancer de la PAFO plutôt que de la RAFO. J'ai pas grand chose pour récup derrière, mais bon, c'est plus safe à la RA quand même. Ok, ça passe. Ah, c'est mieux que la précédente, hein, je vous cacherai pas que ça fait moins mal. Le crit, évidemment, quand on veut baisser l'over, bah bien sûr. Bon, là, je peux tenter de la PAAGE. C'est pas délirant. Ok. Bon, j'ai 58. Je pense rage, hein, pas le choix. Ok, cool. Moins 10, j'ai 48. Et écoutez, c'est parfait, parce que ça veut dire que je mets une rune sagesse. Voilà. Et j'ai 9 tentas. Let's go. Tac. Parce qu'on a le PM là-dessus. On n'a pas le PM. 89 depuis. Bon, enfin on a quelque chose qui ressemble à quelque chose. Excusez-moi pour la formulation un peu dégueulasse, mais c'est l'idée. Donc évidemment, moins 10, là les amis, c'est la papode. Hein. Ne jamais rater une opportunité de faire le malin avec un moins 38 à la papode. Et oui, ça c'est fait. Ensuite, la raage. Est-ce que j'ai besoin de ra ou est-ce que j'irai pas en spam pas age par hasard? Je pense qu'on va faire le mec qui balance de la rage, et évidemment, peut-être que le karma se rééquilibre après tout ce que j'ai subi avant. On a une tenta full perf, les amis. La tenta full perf, tac, moins 6, on a encore beaucoup de puits en stock. Les crits qui me régalent, mais bien sûr. Les planètes sont enfin alignées après tout ce temps, c'est vraiment... bah c'est nickel, hein. Moins 8... 60, tout pile les amis, c'est vraiment magnifique, 10 tentas, les congruences parfaites, les planètes, là franchement si les planètes sont pas alignées, je sais pas ce qu'elles alignées, mais c'est magique. Allez, let's go, 1, allez, 2, mais oui,
Je vais rien dire, la dernière fois j'ai call un 4%, évidemment je me suis fait karmater direct. Le full perf 3% les amis, enfin full perf on se comprend hein, sur les lignes qui m'intéressent évidemment. Je mérite le PM, hein, que ce soit clair, et et comment dire que ça passe pas quoi. 84 depuis, bon j'ai encore passé une rune un peu vite je reconnais. Que faire, on va faire tac, moins 3, over, boom, let's go, tac, le crit évidemment c'était prévu. L'arrêt neutre, hop, et le full perf vite, enfin le full perf vita, hein, c'est vraiment du full perf évidemment, comme on peut le voir. Allez, la rafo. Ah, moins 28, on récupère ça ici, alors, le reste est ok, il me faut l'ara age qui passe, moins 10. Et là, je récupère une tenta sur l'over, c'est nickel, donc... 8 en tas. Let's go. Et oui, c'est si beau. C'est si beau. Bon, 2% évidemment, hein, c'est unlucky. Évidemment, on a le PM sur un 2%, donc autant dire qu'on est un peu triste. Faut que je tente un crit. J'ai plus de dommages. J'ai plus de dos sort. J'ai une rune d'eau perso dans mon inventaire, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Il me faut un crit là et ça me fait un G vraiment insane. Ça se tentait. Allez, on continue. Alors, j'ai fait une boulette. Hein. J'ai légèrement passé un retrait PA, mon doigt a ripé, ça arrive même au meilleur, il n'y a pas de souci. On n'en parle plus. Allez, hop. Donc, moins 10, let's go. Que faire de la Vita? Si je fais ça, je suis à 21. On va y aller. Est-ce que j'aurais plus de chances d'avoir un moins 6 comme ça et de choper le perf vita? Ça me... Hein? Bon. Donc là, il me faut absolument un moins 6. Voilà qui est fait. J'ai plus à continuer. Et bah, évidemment, je me tape du moins 6 en trop. Bon, ouais, c'est la régalade. Hein. Donc j'ai apparemment 36 depuis. J'ai une tenta sagesse. Eh les amis, vous voyez qu'il faut le faire, toujours. Il faut toujours faire l'attentat sagesse. Et si... Repère. On a eu un crit. 2%, est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 85 depuis. Je vais vous sortir du jamais vu, les amis. Une strat pour avoir le perf vita. Regardez-moi ça. J'ai tout calculé. Moins 9. Ça ne peut pas ne pas marcher. Moins 20. Dans ma tête, c'est free win. Allez, clipez-moi ça. Voilà, donc évidemment, on a le full perf. Donc, là-dessus, ra-age, hein, c'est parti. J'ai plus 0,4. Ah, j'ai fait mes petites congruences dans ma tête, là. J'ai tout donné, hein, vraiment. Donc, on a moins 10 plus 7,5. Très bien. Ok, moins 10. La petite rune innée. Le tacle, moins 3. Ah, il aurait fallu que ça passe là, je perds des congruences là. J'avais le multiple, j'avais le 36. Bon, bah 5 tentas. J'ai déjà eu un full perf sur 5 tentas les amis. Hein. Enfin, un 3% pardon, je voulais dire. 1, 3, 4. Je me suis chié dans le puits. J'ai mis un moins 8, c'était un moins 12, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais bon, ça t'a dans la prospection, si vous voulez, je suis arrivé à un niveau de connexion avec l'item, voilà. Donc j'ai mis moins 8, c'était moins 12, hein, NP, le reste est good. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? Et non, 85 depuis. Let's go. Aïe, moins 30. La papode.
Mais je suis trop con. C'était pas une papote qu'il fallait, c'était trois potes, j'y ai pensé dans ma tête en plus. Moi je suis le pire singe. Hein. Écoutez, la honte ça bat sur moi, là j'ai pas d'autre mot. Que faire? Je suis le pire des boulets, j'étais trop fier, là je vais lancer mon petit fou. Bon. Comment vous dire? Non mais voilà, hein, le chat retombe sur ses pattes hein, si vous voulez. Pour la peine, je ne compte plus le pu, hein. C'est la fête du slip, let's go. Si vous voulez, dans la vie, des fois, quand les planètes sont alignées, il faut savoir foncer. Allez, je mets mon 3%, je mets mon PM. On ne compte rien, il n'y a pas besoin, on n'a pas le temps. Ah merde. Je me voyais bien partir sur mon trip et aller jusqu'au bout, mais. Non, mais si vous voulez, c'est pour le beau jeu, quoi, pour le beau jeu. 85 depuis. Bon, est-ce qu'il va encore se passer une dinguerie ou est-ce qu'on va avoir une tenta normale? L'avenir le dira, les amis. Là, je peux faire quoi avec ce 17? 17, c'est chiant. Je peux aller chercher les 32. 32, c'est chiant aussi. Et je peux aller chercher les 47. Les 47, c'est chiant aussi. On me dit triple ravi inipod. Bah non, ça me fait pas un perf ça. Je pense que le meilleur call, c'est de faire. Tac. Tac, tac. Moins 9. Ensuite. Ah mais de toute façon on n'a pas le full perf sagesse. Je sais pas pourquoi je dis full perf pour une ligne à chaque fois, je suis complètement débile. Non mais en fait on va juste rester là-dessus, c'est OZEF. De toute façon on n'a pas de beau truc, donc hop. Bah du coup oui, effectivement le 349 était plus strat, juste j'ai int, hein. Non, bon tant pis c'est fait. Évidemment le do crit, le do qui passe quand on veut pas, hein. Ça c'est la classique. J'ai pas un petit do qui traîne là, un petit do feu ou je sais pas quoi. Allez, deux feux, let's go. Voilà, on récupère le puits, évidemment, pas de gâchis. La petite rafo. Dommage. Moins 15. Là, j'ai 8 en rab. On va mettre la petite repère neutre. La petite raie neutre. Ah, j'aurais pu faire deux tacles aussi. Bon, deux tentacles, quoi. Peut-être pas ça. Qui crit, évidemment, hein, le crit qui était prévisible. Celui-là, il m'a surpris. La sagesse, ça m'a pas surpris, mais le tacle, il m'a surpris, je m'attendais pas au crit. Bah, très bien, les amis, let's go. 41, plus les deux qu'on a ici, ça nous fait 7 tentas. C'est bien, 7 tentas. Voilà, c'était Grifox, hein, GG à tous. Voilà, hein, bon. Alors, je tiens à préciser que ça fait 1h13 que je suis en live et que c'est la première tenta PM en 1h13. Le PM sur cet item ne veut pas tomber, c'est absolument aberrant. Avec le chat, on est en train de se demander s'il tomberait ce soir et même si on n'allait pas faire tout un live entier sans avoir une seule tenta PM, ce qui est assez aberrant quand même sur des bots random. Alors, une fois que ça c'est dit, on a 84 de puits, on a un over de 23 de vita. On peut s'en sortir. On peut avoir. Ré fixe plus pod, on peut avoir le full perf. Enfin, full perf, on se comprend, sur la Vita quoi. Moins 30, hop. Donc là, il me faut. Alors, par contre, si je mets ré neutre et qu'elle passe, je peux me retrouver embêté. Donc là, exceptionnellement, je vais mettre de la force pour être sûr que ça passe pas. Ce sera plus intelligent pour ce que je veux faire. Alors, évidemment, ça passe, hein, ça c'est bon. Hein, Dofus. J'ai un moins 6. Donc, je suis dans la sauce là. Plus intéressant que j'ai à faire, c'est quand même de pod maintenant. Parce que double moins 6, j'y crois pas une seconde. Et en plus, on a le 35 sagesse. C'est pas terrible, hein, ça part déjà pas hyper bien. On va mettre la rafo. Moins 30, non, mais c'est un régal. Hein, on va aller absolument nulle part avec le puits qui reste. Mais bon, tant pis. On récupère l'over proprement. Moins 10.
Moins 9. Bah écoutez, il me reste 5 depuis. Je me régale. Hein. 1h13 de live à faire cet item, à espérer que le PM tombe pour avoir ça. C'est vraiment. Bah GG à tous, quoi. On se régale. Dofus, c'est trop cool. Donc on va mettre le PM, évidemment. Évidemment, ça passe, hein, ça on connaît. C'est fatigant. C'est fatigant. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Le G, il est absolument immonde. On va mettre ça, mais ça passe pas. Allez, on continue. Je suis dépité, hein. Franchement, je suis dépité. Enfin, une belle tenta. Enfin, 85 depuis. J'ai le full perf là. J'ai le full perf qui est. Alors, je vais pas dire acquis, mais qui est très bien parti. On va faire pavi. Pavi. Moins 9. Moins 20. Rune pod. On a le full perf. Alors, ça va être compliqué de d'aller chercher les autres lignes. Moins 30, ça fait très très mal. Que je peux récupérer à la Dotaire. Pas de chance. Ah là là, le full perf qui va avoir du mal à passer, je pense, les amis. Il me reste 26. Je crois que je vais tenter la Pafo, qui a peut-être un peu moins de chance de passer que la Rafo, mais ça me bouffera moins de puits. Voilà, moi j'ai de la chance. Je me voyais mal balancer la Rafo là. C'était un peu ambitieux, mais ça passe. Et malgré tout, j'ai quand même pas un trait. Il me reste pas beaucoup, quoi, si vous voulez. Moins 5. Et écoutez, j'ai tout pile mes 3%. Hein. J'ai mes 3 tentats. Si les 3 passent, j'ai mon 3%. Hein. Moi, je ne demande rien de plus que mon 3% et mon PM, si vous voulez. Alors, c'est pas 18 tentats. Hein. Ce serait beau. C'est 3 tentats. Hein. Pas de chance. La réalité est ce qu'elle est. Et c'est pas de chance. C'est pas de chance. J'ai le 2% quand même. Est-ce qu'on a un 2% là-dessus? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Sur cet item abominable. Est-ce que temporairement on s'arrête là-dessus pour pouvoir faire un peu d'autres trucs? Parce que ça, c'est franchement hyper relou. Et le reprendre plus tard pour aller chercher le 3%. Parce qu'en vrai, sinon, on est parti là sur. Enfin voilà, ça fait 1h20 que je suis en live, on a eu deux tentats. En 1h20 sur un item qui est censé être complètement éclaté. Sur ce, full perf sur les lignes qui m'intéressent, donc c'est pas vraiment un full perf, on est d'accord, mais bon. Je pense que je vais m'arrêter là pour pouvoir PVP un peu avec, parce qu'en plus c'est pour tester un mode, hein, c'est vraiment pour du test. Donc là, je pense que je vais le laisser comme ça, au moins temporairement, et si je confirme ma volonté de l'utiliser en PVP, bah, j'irai rechercher le 3%. Et ça partira avec soit un PO, soit 1% d'eau sort, soit 1% res mêlée, ou ce genre de choses. Voilà. Bah, écoutez, je suis assez déçu quand même de ce FM. En plus, j'ai eu une tenta full perf en 3%, peut-être même plusieurs, je ne sais plus. Mais voilà, franchement, c'est tellement abominable à faire. Et moi, voilà, je sais qu'aussi pour vous qui me regardez en live en vidéo, c'est pas forcément intéressant après d'avoir une vidéo de 2 heures de tenta PM qui ne repasse pas sur des tentations. Donc écoutez, voilà, hein, on va tranquillement accepter ça temporairement pour tester le mode. Et puis on refera des. Et en plus, il me refaudra d'autres tentations, mais cette fois-ci avec les dos neutres et avec le retrait PA pour un FK terre retrait PA que je compte faire aussi. Donc, cet item qui est déjà infernal, voilà, je vais devoir me le retaper. Autant dire que je suis pas refait. Et c'est incroyable parce que il y a dans mes anciennes vidéos de Forge Magie, genre il y a 2 ans ou je sais pas quoi, j'en avais déjà fait des tentations. Et je me rappelle que j'avais mis des miniatures en mode c'est horrible, la malédiction des tentations, je sais plus quoi. Que genre, vraiment, je pétais un câble parce que l'item, quand tu le vois comme ça, tu te dis bah, c'est facile à faire quoi. C'est un item tranquille, il y a aucune ligne qui est particulièrement compliquée, il y a un PM, enfin, c'est censé être un item facile. Et pourtant, à chaque fois, toutes les sessions FM là-dessus, c'est un casse-tête comme pas possible, quoi. Bref, bah écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, bof, je me suis pas hyper amusé, mais bon, ça fait partie de la Forge Magie. Des fois, c'est très cool, des fois, ça l'est un peu moins. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires, du moins j'essaye et j'y réponds souvent.
Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.